Mais tu vois, t'as la crypto, t'as la bourse, t'as les comptes avec des intérêts. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet tabou, l'argent. Hey guys! Si tu me connais pas, je suis Kenza, entrepreneuse. J'ai ma société à côté de création de site internet et community management. Et en plus, sur YouTube, je te partage mon quotidien, ma vie, mes questions sur la vie, à travers soit des vlogs ou comme aujourd'hui, face caméra. Je t'invite tout de suite et maintenant à t'abonner parce qu'on est toujours dans l'objectif des 300 abonnés. Donc, ce serait cool que tu participes quand même, que tu sois là avec moi, que tu me soutiennes. Je tiens le rythme de une vidéo par semaine, donc soutiens-moi. Abonne-toi, c'est gratuit. L'argent en France, c'est tabou. C'est tabou, il faut pas montrer qu'on a de l'argent. Alors qu'aux États-Unis, il faut montrer qu'on a de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler, de parler de ma relation personnelle avec l'argent, de mon histoire, de comment je le vis. Et pour arriver par la suite à ma vie de freelance, quand tu quittes le salariat, faut apprendre à bien gérer son argent parce que tu n'as pas tous les mois un salaire qui tombe. C'est un salaire qui est différent tous les mois. Donc on va retracer ce petit parcours avec ma relation avec l'argent. C'est parti. Alors, pour commencer ma relation avec l'argent, faut parler de mon enfance, de où est-ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu. Donc j'ai vécu dans une famille modeste, on gagnait pas des sommes ahurissantes, mais on gagnait pas non plus pas assez. Je n'ai jamais manqué de rien, vraiment. J'avais toujours la dernière tablette avec les copains, j'avais toujours les dernières chaussures et tout. Ma mère vraiment, elle voulait pas du tout qu'on se sente exclu par rapport aux autres. Mais par contre, parfois, bah, à la maison, j'entendais souvent attention, il y a cette facture à payer, il y a cette facture, il y a ces factures, oh putain, encore des factures. Tu vois, des trucs comme ça. Et peut-être que ça m'a mis dans ma tête un petit mécanisme du style oula, attention, on peut pas tout avoir. Genre, tu peux pas avoir la dernière paire de sneakers et l'électricité. Après, j'ai pas manqué d'électricité, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce mécanisme en mode, ok, on peut pas avoir les deux, ou alors si jamais tu veux les deux, faut avoir beaucoup d'argent. Peut-être que je me suis mis ça un peu dans ma tête, et donc du coup, ça a créé une peur de l'argent. Quand je dis ça, c'est pas une peur de l'argent, c'est plutôt peur de manquer d'argent, de pas avoir assez, de vouloir toujours plus. Et en fait, et bah après, quand j'ai grandi, quand j'étais ado, quand j'avais un petit peu de sous, d'argent de poche, d'argent de Noël, des trucs comme ça, ou même jusqu'à l'alternance, parce que j'ai fait un petit peu d'alternance, j'étais du style à économiser, tout simplement. Si jamais j'étais invitée à une soirée avec des potes, et ben je ramenais des petits trucs pas chers. Pour aller prendre du Pringles, je prenais la sous-marque, les tubes, les tuiles. Parce qu'en vrai, j'allais pas dépenser un petit peu plus pour une soirée où au final tout le monde allait vomir parce que tout le monde se boit la gueule. Non, un centime ça reste un centime. Et en fait, tu vois, du coup, quand j'étais plus petite et que mes parents ils m'aient appris ça et que aussi j'ai vu la vraie vie du style bah ok, tu veux cette paire de sneakers, bah it. Aussi faut qu'on paye, la facture. Au final ça m'a mis dans une relation avec l'argent où j'ai compris la valeur de l'argent. J'ai compris ce que c'était 30 centimes. Parce qu'il y en a, 30 centimes vas-y c'est nada. Mais si tu fais 30 centimes plus 30 centimes plus 30 centimes, vas-y à la fin t'as... J'ai dit combien? Bah t'as beaucoup quoi, t'as presque 1 euro. Et 1 euro, bah 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, bref, tu pourrais refaire le schéma, ça fait effet boule de neige. Donc si jamais tu peux économiser sur un petit truc, c'est pas un petit truc à la fin. Donc voilà, j'étais la radine de service grosso modo, mais par contre ça m'a permis de faire des économies. Parce que au final, aujourd'hui j'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'économie. Et quand je dis économie, c'est pas forcément 10 000 euros de côté. C'est au minimum 1000 euros, tu vois. Par exemple, moi, ma mère, elle m'a toujours appris, faut avoir minimum 1000 euros de côté. Et il y en avait, bah, ils avaient pas ça. Bon, après, ils avaient pas vraiment papa, maman derrière, tu vois, mais au final, ils avaient pas cette valeur de l'argent. Après, je suis pas en train de remettre en question les éducations. J'ai pas d'enfant, je sais pas comment éduquer un enfant. Et tout le monde a des éducations qui sont différentes. Je suis pas en train de remettre en question ça. Juste en train de remettre en question le fait d'économiser, de savoir ce que c'est en fait d'économiser et du coup de la valeur de l'argent. Quand je dis 30 centimes, c'est 30 centimes, bah c'est vrai. Tu vois, par exemple, moi, quand je voyais une pièce par terre, même de 5 centimes, quand j'étais plus petite, même aujourd'hui, je pense, je l'offrais, bah je la prenais, tu vois. Alors il y en a qui disaient, c'est 5 centimes. Bah t'inquiète qu'après, mon petit pot de Nutella, là, avec toutes mes petites pièces de 5 centimes, bah après, je les ai comptées il y a pas longtemps, j'avais plus de 100 balles. Alors. Et donc au final, c'est peur de manquer de l'argent. Ça a donné quand même des avantages parce que ça a fait en sorte que j'économise. Sauf qu'en fait après, quand j'ai eu mon premier salaire, parce qu'avant d'être freelance, j'étais dans le salariat. Et donc je gagnais, je sais plus, je gagnais 1004, le SMIC, je gagnais le SMIC. Et forcément ça faisait beaucoup plus parce que tous les mois j'étais sûre d'avoir 1004 euros. Et au final, eh ben, je me suis dit, bah allez, YOLO, bah vas-y, allez, maintenant je peux payer tout, tout et n'importe quoi, tu vois. Et je suis arrivée dans un trop, genre je suis passée de la peur du manque de l'argent à, vas-y, on s'en fout, tu peux tout dépenser parce que tous les mois t'auras 1400. Alors que 1400, bah ça reste une somme, hein, mais c'est pas...
entre payer le loyer, les factures et puis ta bouffe, etc. Et ça, quand on est jeune, on voit pas tous les frais à côté qu'on a en plus. Mais tu vois, genre, j'ai passé dans un extrême où j'ai dépensé un peu plus. Et après, bah, j'ai régulé ma relation avec l'argent, si on peut dire ça. Du coup, je suis revenue dans un stade en mode oula, économise. Parce que si j'avais des projets, par exemple, si jamais bah, tu veux emprunter à la banque, sachez, mesdames et messieurs, qu'il vous faut de l'argent de côté. Il faut montrer que vous êtes stable. Je vous apprends rien, ah, peut-être que si, mais en tout cas, il faut montrer que vous êtes stable. Et si jamais bah, t'as pas d'argent de côté et qu'au final, bah, dès que tu reçois ta paye, tu déposes tout, la banque, elle va pas forcément te suivre, tu vois. Puis ensuite, j'ai quitté le salariat. Et donc, quand tu quittes le salariat, tu te retrouves au chômage. Et là, le chômage, il peut être très bien si jamais t'as beaucoup travaillé, mais si t'as pas beaucoup travaillé, il est pas ouf. Alors moi, il était pas ouf. J'ai plus, je crois que j'avais 800 euros. Ma cocotte, ce n'est pas beaucoup, hein. Donc heureusement que parfois il y avait mon conjoint et que j'avais aussi de l'argent de côté parce que c'était pas non plus énorme, énorme. Bon, après, j'ai retrouvé un travail, etc. Bref, et après, j'ai monté mon entreprise. Et donc là, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, je savais que j'allais pas avoir le même montant chaque mois, mais quand tu le vis, c'est pas pareil. Et au début, bah, j'étais hyper, hyper stressée de ça. Par exemple, mon premier mois, septembre, donc c'est pas mon premier parce que j'ai travaillé avant. Bref, j'ai gagné 8000 euros, là tu te fais ok cool, putain, si tous les mois c'est comme ça, franchement chapeau. Mais après non, après octobre, je sais plus combien j'ai fait, mais je crois même pas 1000, tu vois, parce qu'en fait ça varie en fonction des projets, ça varie aussi en fonction de la facturation, parce qu'il peut y avoir plein de projets durant un mois, mais si jamais ils sont pas finis, bah la facturation elle va venir sur le mois d'après. Et donc en fait ça, apprendre à réguler, c'était pas facile. Tu peux avoir des mois à 4000, 5000 et des mois à 1000, mais ou moins, parfois même moins. C'est pour ça que les premières années au niveau de la relation avec l'argent, apparemment c'est pas si facile que ça. Je dis apparemment parce que moi ça fait même pas un an. Mais apparemment c'est pas si facile que ça parce que du coup t'as pas assez de recul pour savoir exactement ce que tu vas à peu près gagner par mois. Et donc moi je suis dans cette phase là où je sais pas exactement combien je vais gagner par mois. Et donc je reviens dans ce truc du style la peur du manque de l'argent. Dès que je vais avoir un nouveau contrat, bah, je suis hyper contente et je mets tout de côté. Je mets vraiment tout de côté. Dès que je peux, dès que je peux faire des économies, enfin, j'achète plus rien parce que déjà j'ai besoin de rien, donc j'achète rien. Dès que je vais acheter quelque chose, ça va être pour l'entreprise, pour essayer de la faire fructifier. Je pense 20 fois avant de dépenser quelque chose, je réfléchis, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois. Et ça m'a permis de faire vraiment des économies. Et donc maintenant, après, ce qui se passe, c'est que t'as envie de placer l'argent qui dort parce que l'argent qui est sur ton compte, bah, s'il est juste sur ton compte, bah ça sert à rien, tu vois, vaut mieux garder un petit peu, je sais pas, tu gardes un petit pécule entre 1000 et 5000 je dirais d'économie pour tout le temps si jamais un pépin ou pour des vacances, etc. Et tout le reste, et bah tu le places. Donc après bon, il faut se faire accompagner, après il existe d'autres vidéos YouTube sur ça, sur le sujet plus construite et cadré, mais tu vois, t'as la crypto, t'as la bourse, t'as les comptes avec des intérêts, t'as plein de choses, t'as l'immobilier, tu vois, investir en immobilier, mais si pareil, sur investir en immobilier, il faut faire d'abord de l'argent. Bref, en tout cas, d'investir, de faire travailler son argent, c'est hyper important. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'avais vraiment envie de parler d'un sujet assez tabou en France et de dire que avoir peur de manquer d'argent, c'est normal. Avoir peur de ta relation avec l'argent, c'est normal parce qu'on n'en parle pas assez, tout ce qui est finance. Si jamais tu as des questions sur ma vie de freelance ou alors sur ma gestion de l'argent ou sur mon histoire, n'hésite pas, l'espace commentaire est ouvert. Tu peux également me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi, on est toujours dans l'objectif des 300 abonnés, donc abonne-toi déjà pour me soutenir, c'est hyper cool. Et puis c'est une vidéo par semaine, tous les vendredis à 18h. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine ou une très bonne soirée, peu importe à quelle heure tu regardes la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi et prends soin des autres. Bisous !